Bonjour les addicts, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà déjà donc au 24 décembre. Donc ce soir réveillon de Noël. Donc je vais ouvrir aujourd'hui donc la dernière case pour la plupart des calendriers. Bon, il y en a quand même où il y a 25 cases. Donc on se retrouvera demain pour la dernière case des calendriers de 25 cases. Et puis voilà, donc on va faire un tour. Donc on va commencer par Action Beauté. Donc le final, puisqu'il n'y a que 24 cases, hein. C'est une palette. L'année dernière aussi, hein, ils avaient fini avec une palette. En plus, ça, elle est très jolie, hein. Celle de l'année dernière, je l'utilise assez régulièrement. Celle-là est assez sympa aussi. Donc, nickel, petite palette, facile à transporter, pas mal. Donc voilà, Assam Beauty, pareil, c'est le final aujourd'hui, donc 24, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, Fabulous Day, donc forcément, Lash, donc c'est sûrement mascara. Alors, on va regarder ça, et oui. Tout à fait, c'est un mascara donc 5 in 1, donc 5 en 1 hybride mascara. Donc je l'ouvre pas hein. Comme d'hab, hein. Mascara, je l'ouvre pas. Ma Winbox, donc le 24, c'est ici, donc c'est dans le toit de la maison et c'est un parfum. Coriandre et bois de cèdre, eau de parfum, collection Naturalité, d'essence des notes, 30 ml. Alors, je vais regarder ce qu'ils nous disent dessus. Alors, ce parfum a été testé et validé en laboratoire dans l'Institut indépendant IDEA Bordeaux-France. Boisé, épicé et oriental, un accord élégant et naturel de notes orientales légères. De la coriandre et du bois de cèdre, de l'atlas, à la fois puissant et chaleureux. Un souffle léger de miel et d'ambre célèbre l'harmonie du raffinement et de la sensualité. Prix 29,90 €, fabriqué en France. Donc on verra, on sentira ça tout à l'heure. Après, si c'est un peu oriental, moi j'aime bien tout ce qui est un peu oriental. Donc voilà. Alors je vous ai pas dit, il reste une case hein, pour ma Winbox. Assam Beauty, donc on le retrouvera demain. Dernière case aussi, hein, côté soins. Donc là, ça a l'air d'être un pot. Il est marqué Beautiful Skin is always in. Bon, ça doit être une crème, je suppose. Il a du mal à sortir. Voilà. Alors, c'est de la marque Aqua Intense Suprême Hyaluronic Cream. Donc, super. 20 grammes. Nickel. C'est une belle gamme, apparemment. Je vais pouvoir la tester un peu plus sérieusement. Donc, nickel. Belle et Beau Shop. Oh, d'ailleurs, je n'ai pas allumé le sapin. Bah, tant pis. Belle et Beau Shop, donc Merry Christmas avec une clochette, sympa. Hop, donc il y a deux cadeaux à l'intérieur. Le premier, c'est une jolie bougie de Yankee Candle, donc caramel pétillant, 104 grammes. On va voir, je l'ouvrirai tout à l'heure. Et le deuxième. Alors, c'était un billet porte-bonheur. Et donc, fallait gratter hein, le cœur. Et j'ai une carte cadeau de 30 euros avec un code. Hein. Super, parce que l'année dernière, ils nous avaient fait pareil. Ils nous avaient mis un bon d'achat, enfin, une carte cadeau pareil pour la dernière case en plus. Franchement, ce calendrier est super. Bon, dernière case aujourd'hui, mais bien rempli en tout cas. De toute façon, je ferai un bilan sur tous les calendriers, hein, soit d'ici la fin de l'année ou début, moi peut-être d'ici la fin de l'année, on verra. Bleu Libellule, donc pareil, 24 cases, donc dernière case aujourd'hui. 24e, elle est là.
Et c'est un produit, ah oui, c'est un produit qui m'intriguait. C'est de la marque K18 et c'est un masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire. 15 ml, donc réparation moléculaire, je pense que ça va aller dans la texture du cheveu et bien lui redonner une apparence, une très belle apparence, enfin, ce que j'en attends. Et il y avait aussi un papier dedans qui disait qu'il y avait une surprise dans le calendrier qui s'était glissée dedans. Donc moi j'ai ouvert par en haut là et puis à l'intérieur. En sortant le plastique hein, du calendrier, il y avait donc en effet un produit bonus qui est le shampoing fixateur de couleur de série expert, donc Resveratrol Vitamino Color de L'Oréal, donc qui va avec le masque qu'on avait eu dans la case numéro 1, donc contente d'avoir un deuxième combo dans ce calendrier, pas mal, vu comme ça au moins on peut les utiliser ensemble, et puis en plus de ça, moi qui ai les cheveux colorés, c'est nickel. Cacao bombe, j'allais passer à côté, donc cacao bombe le 24, j'espère que c'est une bombe au matcha, parce que j'ai trop envie de la goûter, la bombe au matcha. Et c'est quoi? Oh, c'est chocolat. Non, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est une bombe quand même. Hein. Voilà. Il faudra que je leur achète leurs bombes au matcha. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont chères, leurs bombes. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le calendrier pour pouvoir les découvrir. Oh, il y a marqué Merry Christmas. J'ai voulu les tester. Mais il est pas mal. Hein. Il est vraiment bien. Bon, après, il y a des gourmandises. Mais bon, c'est vrai que les bombes sont chères. Donc, pour le prix du calendrier, mettre 24 bombes. Je pense que ça n'aurait pas été rentable pour elle. Mais en tout cas, pas déçu de ce calendrier. Et je crois qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont bien aimé aussi. Belle et Beau Shop, donc je ne l'ai pas fait hier puisque c'est la 12e, donc autant la faire au final sur le 24. Hein, c'était plus simple puisque je m'étais trompée. Vautrer dans l'ouverture du premier, hein, puisque c'est un calendrier 12 cases. Donc pour aller jusqu'au 24, il aurait fallu que j'ouvre la première case le 13. Mais... moi, comme une imbécile, je l'ai ouvert le 12. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est une palette, hein, forcément. Ce calendrier, pareil, hein, dernière case. Hein, il a été spécial make-up. Il est bien rempli en palette. Hein. Franchement, il est... pareil, il vaut le coup. Hein. Bon, moi, je ferai un bilan aussi. Donc, c'est une collab avec Colorizzi et Belle et Beau Shop. Donc, c'est une palette soirée de fête, édition limitée. Donc, c'est dans une, bon, c'est dans un tiroir, pareil, hein, dans un carton où on le coulisse. Et c'est dans un étui en ferraille, en alu. Je vous ferai voir après, hein, tout à l'heure, bien sûr, comme d'habitude. Donc, 24... hein, pour ma petite tounette, pas de surprise. Bon, ça va être la même que hier et avant-hier, hein, le mix, là. Bon, là, elle est partie sur le radiateur. Hein. De toute façon, ça n'intéresse pas. Donc, voilà. Son calendrier ne l'intéresse pas du tout. Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur, hein, surtout. Voilà, donc pas de surprise pour elle. Bon, je crois que je vais les donner à une copine qui a un chat. Hein. Ça sera plus simple. Qui, lui, est gourmand. Blissim 24, elle est assez lourde. Donc, pareil, une dernière case pour Blissim. Donc, alors, je me souviens plus ce qu'il y avait en dernière. Je crois que c'est un pot, mais un pot de quoi, de crème. Ah oui, ah oui, ah oui. Caudalie, Vino Source Hydra, gelée d'eau aux raisins hydratantes. De raisins hydratantes, et c'est un format, un beau format. Hein. C'est un 50 ml. Nickel. Ça, c'est un très beau produit. Contente de ce produit au final. Pareil, Florence Nature, 24e, dernière case. Donc, c'est la seule qui est dorée. Si j'arrive à l'ouvrir, ah bah, elle s'ouvre par en bas, forcément. Et c'est un make-up, c'est du rouge à lèvres. Hein. C'est un rouge à lèvres. Bon, ben, teinte. Ah, c'est là la teinte. 312, donc rouge tendre. Donc, je vous l'ouvrirai pareil tout à l'heure. Puis là, le calendrier, c'est bien beau, c'est bien qu'il arrive à la fin parce que là, il arrive en deux parties. À la poubelle. Gloria.
pareil, 24 et dernière case. Donc c'est Illumine, c'est de la marque Dr. Eve Rius, je connais pas du tout. Et c'est une valeur de 79 € quand même. Et ça illumine quoi? Illumine le visage. Ça va être une crème visage glowy ou alors peut-être une crème pour anti-terne, anti-teinterne, je sais pas. Alors, il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. Vous savez quoi? Je vais regarder sur le papier ce qu'il nous dit sur le 24. Illumine, conseil. Le soir sur une. Il faut l'utiliser le soir sur une peau propre. Faire pénétrer votre soin avec des mouvements circulaires sur le visage et cou. C'est le 24. Votre visage est illuminé pour le grand jour. Bon, moi ça ne me dit pas trop ce que c'est. My Little Box. Alors, c'est la dernière case du calendrier, mais il y a une case surprise, une case cachée. Donc, demain, on se retrouvera donc pour ce calendrier aussi. Bon, c'est léger. Hein. On va pas être du waouh. Ouais, c'est pas du waouh. Hein. Voilà ce qu'il y a en case 24. Un jonc. Voilà, voilà. Bon. Pas transcendant, mais bon, voilà. On va passer au suivant. Donc, Savonnerie de Bormes. Dernière case aujourd'hui. Donc, c'est une bougie. Une bougie parfumée. Donc, ça fait dans un pot de... comme une verrine. Et c'est effet chantilly. Et ça sent trop bon. Je vous ferai voir tout à l'heure. En tout cas, super. Pareil, c'est comme l'autre qu'on a reçu. Je ne sais pas si je vais la faire brûler. Mais bon, peut-être que si quand même. Look Fantastique. Avant-dernière case, 24. Donc, c'est de la marque The Ordinary. J'y arriverai pas. Direct Acide. Donc, c'est un sérum. Mandélique acide 10% HA 30 ml. Donc c'est pas mal hein, leur produit. En plus ça, il y a pas mal de sérums et adaptés ou à particularités spécifiques pour le visage, donc c'est bien. Stylvanin. Alors 24 et dernière case aussi, c'est de la marque Beauty of Joseon, c'est une crème avec du riz et des probiotiques, SPF 50++++ et PA++, SPF 50+, et PA++++. Donc, je ne connais pas du tout cette marque, hein, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, après, hein, les produits coréens, la K Beauty, hein, c'est en principe des produits super. Glossy Box 24, donc une belle case. Donc dedans, nous piochons un. Alors de la marque Magneton London, donc XOXO, donc c'est un Microsonic Soft Touch Silicone Facial Cleansing Brush. Donc il y a deux zones pour nettoyer et on peut... Je pense qu'il y a différentes vitesses. Cette marque me dit quelque chose. Hein, mais bon, après la brosse comme ça, bon, c'est bien. J'ai eu la Foreo sur chez comment ça s'appelle Belle et Beau Shop. J'en ai déjà une que j'avais de mon côté. Deux même, je crois. Donc on verra ce que j'en fais. Je crois que je vais en donner une à copine parce que ça lui fera. Je crois qu'elle va aimer. Le jardin enchanté de Noël, donc de Beautiful Box. Avant-dernière case aussi. Donc c'est rose. Et ça a une valeur de 79,90 €. C'est de la marque. On va regarder comme ça. Peut-être que je verrai mieux. July of the Bars. Et.
de la marque Biogarn. Biorgan. Oui, il y en a deux produits donc. Donc c'est une crème visage soin quotidien 50 ml donc de July of the Bath. Et le deuxième, celui de Biorgan, c'est un après-shampoing à l'huile d'argan, 99% d'un total d'ingrédients d'origine naturelle, donc l'huile d'argan bio et beurre de karité bio, 50 ml aussi. Donc c'est pas mal. Bon, par contre, ils font deux produits de marques différentes. Bon, ok. Mais ils auraient pu mettre un shampoing, un après-shampoing, par exemple, parce qu'une crème visage a un après-shampoing. Bon, ouais. Enfin bon. On va voir la case 25, ce qui nous réserve. Goodie box 24 et dernière case. Donc, je ne me souviens plus ce qu'il y avait dans la dernière case. Ça va être la surprise. C'est une boîte. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de la marque Carman et Joux. Donc, on a déjà eu hein, plusieurs fois cette marque. Donc, c'est la référence 01. C'est Renew New Age Defense Face Brush. Ça va pour tous les types de peau, c'est naturel, ça stimule, ça release, donc je suppose que c'est relax, je sais pas. Exfoliette. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de... Alors, hein. Bon, ils nous disent quoi dessus? Français. C'est français ça? Non, c'est pas français. C'est pas français. Il n'y a pas de français. Donc, voilà. Bon, ben, on regardera ça tout à l'heure quand on ouvrira. Bon, ben voilà les dernières cases pour certains. Il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a. Attendez. Il y en a 1, 2, 3, 4. 5 demain. 5, je crois. Ouais. Voilà. Bon, je range et puis je fais le bilan et puis je vous dis ce que je garde, ce que je garde pas. Et puis j'ouvre ce que j'ai pas pu ouvrir. A tout de suite. Donc, ben, nous revoilà pour la récolte du jour. Plutôt pas trop mal. Enfin, il y a des doublons. Enfin, bon, il y a des choses qui reviennent un petit peu. Mais bon, voilà. On va, bah c'est un peu mitigé. Bon, bah c'est surtout le visage quand même hein, qui a l'honneur. Après, c'est les cheveux. Il y a deux bougies, il y a un parfum, enfin, il y a plusieurs accessoires et puis il y a du make-up. Donc, et puis, oui, je dis le parfum. Donc voilà. Donc, et puis ma carte cadeau de 30 euros, qui est pas négligeable non plus. Donc, ben, on va vous faire voir déjà la bougie. Comme ça, au moins, ça sera fait. Elle est comme ça. Donc, il y a vraiment de la chantilly. Et elle sent très 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 bon. Alors la deuxième, c'est Jewel Candle. Là. Et il y a marqué que c'était cannelle pétillante. Je ne sais pas si ça pétille. Hein, puisqu'il y a des petites bulles. Je ne sais pas si vous voyez des petites bulles. Donc, peut-être que ça pétille. En tout cas, ça sent Noël. Hein, tout simplement. Alors, le parfum, voilà comment il est. Alors, j'en ai mis sur ma main. C'est, en fait, c'est plus les odeurs boisées qui ressortent. Je trouve que c'est plus, pour moi, hein, c'est plus mixte ou masculin. Mais, ouais, c'est vraiment le boisé épicé qui ressort. Donc, les cheveux, bon, ben voilà, hein, un produit cheveux capillaires. Donc, The Ordinary, donc c'est celui-là. Vous le voyez plus près. Alors ça, j'ai regardé, c'est pour la nuit en fait. C'est un hydratant pour la nuit. Donc voilà. La crème Caudalie, je ne sais pas si elle est... voilà, donc elle est comme ça. Une crème quoi. Un peu épaisse, mais... à voir après, de toute façon, c'est une crème. Ouais, c'est une gel, une gelée, plus gelée. Donc, bon, ça doit te perculer, oui, comme d'habitude.
puis bon, l'autre crème, je ne regarde pas, c'est operculé aussi. Donc ça, j'ai regardé. Ouais, bah c'est pas waouh, hein. C'est, hop, donc regardez, un peu déçu pour cette, par cette dernière case. Voilà ce que c'est. Donc c'est une brosse en bois. Avec des... bon, c'est doux, hein. Ça fait penser un petit peu, je sais pas si vous connaissez les Molki. Voilà. Donc, ouais, pas ouf. Pas ouf du tout. Franchement, ouais, c'est pas... c'est un peu décevant pour une dernière case. Après, voir comment on l'utilise, mais bon, c'est comme une brosse, mais c'est manuel, quoi. Bon, on verra ça. Et... donc celle-là, celle-là je peux ouvrir d'ailleurs en même temps. Donc elle est comme ça. Donc avec des picots tout fins. Là c'est un peu plus épais. Je suppose qu'il y a plusieurs. C'est rechargeable, c'est comment? C'est des piles. Ouais. Il y a un cordon. USB. Déjà pour ça, donc le bracelet, ben c'est un bracelet jaune, hein. Hop, parce que ça me va. Ah. Voilà. Comment il est. Il faut pas avoir un gros poignet. Hein. J'étais pas petit, j'ai pas un gros poignet déjà, heureusement, mais. Donc, la palette Max & More un peu plus près, même si je vous l'avais déjà fait voir. Regardez les couleurs. Elle est belle, hein? Vraiment très belle. Donc, le mascara, je l'ouvre pas. Le rouge à lèvres, donc de Florence Nature, comme ça. Le rouge tendre. Donc, voilà. Non, je le swatch pas parce que je le garderai sûrement pas. Et la belle palette, donc Colorizy Belle et Beau Shop. Et donc c'est quoi le nom déjà de la palette? C'est palette soirée de fête. Donc c'est l'idéal pour le 24. Donc avec un grand miroir. Et c'est à composer. On peut la composer. Ça c'est moi qui... voilà. On peut la composer nous-mêmes. Hein. Si vous voulez, on peut changer les pads. Et moi, j'en ai eu déjà des pads, mais individuels de Colorizy. Donc, je peux les mettre, les modifier si je veux. Donc, voilà les couleurs. Voilà. Donc, elle est, comme je vous ai dit, hein, elle est solide. Et dedans, à l'intérieur, ça fait bois et tout. Donc, puis le miroir est comme ça, là. Voilà. Donc, puis elle est lourde, hein, elle presse son poids. Hein. Donc voilà pour cette dernière palette. Hein. Donc il y a des brillants, des mats. Hein. Voilà. Bon, moi je trouve que c'est plutôt nude, c'est bien. Bon, sauf les deux premiers qui sont un peu foncés. Mais bon, après avoir... bon, et encore toujours un petit peu ce parme violet parme là. Enfin, violet, violine. Hein. Et l'autre c'est un gris. Mais... vraiment le violet, je crois que c'est la couleur de l'année, hein. Donc voilà ce qu'il en est de cette 24e case. Bon, il y a des produits pas mal, il y a des calendriers qui finissent pas vraiment sur une touche de ouf, hein. Enfin cette année, hein, les calendriers, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup où c'est ouf le 24, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça je le garderai pas, hein. Vous savez bien, mascara. Après le rouge à lèvres aussi je le garderai pas, puis le reste ben, pour l'instant comme je vous ai dit je ferai un bilan sur tous les calendriers, je vais prendre le temps de trier ce que je vais garder, ce que je vais pas garder, et puis comme ça ben, au moins vous aurez quelque chose pour vous de toute façon ou sur Vinted. Parce que moi, je ne garderai pas tout, moi, forcément. Hein. Je ne peux pas tout garder non plus. Je vais en donner pas mal. Mais je vais aussi en garder
pour moi et puis pour vous pour les concours et tout. Donc voilà. Enfin, je vais vous faire voir donc le colis que j'ai été récupéré par rapport au concours que j'ai gagné chez Alorabora, excuse-moi. Donc que Laura m'a envoyé. Donc je l'ai récupéré hier. Bon, hier quand je suis rentrée à la maison, hein, j'avais déjà monté le Vlogmas, donc j'ai pas pu le faire. Donc je vous le présente là. Alors, donc me revoilà. Donc le colis que j'ai reçu de la part de Alorabora. Donc par rapport à ses Vlogmas, tous les jours elle fait un concours. Donc là j'ai gagné le jour 9. Hein. Et je suis super contente parce que bon, j'étais le récupérer hier, mais quand je l'ai récupéré, le Vlogmas était déjà monté, donc j'ai pas pu le présenter. Mais j'ai gagné une journée où il y avait la plupart des produits, je ne les connaissais pas, donc nickel. Donc le premier produit qui embaume la poche, c'est un savon Provence KO. Provence KO, oui, je pense que c'est ça. Il sent trop trop bon. C'est à l'opium. Ah oui, je vais être addictif. Nickel. Ou prendre ça haut peut-être. Deuxième produit. Alors, c'est un produit que j'ai déjà eu dans une box. Donc, c'est de la marque Mio. Donc, c'est un beurre corporel 30 ml. Par contre, je l'avais donné. Donc, bah, comme ça, au moins, bah, je le testerai. Puisque je ne l'avais pas testé. Autre produit que je pioche. Donc c'est une marque que je connais et que je n'ai pas encore essayé. Donc nickel. Donc c'est Botanical Repair. Donc je l'ai eu aussi, mais c'est un petit format. Et donc moi ça c'est parfait. Donc je les utiliserai tous les deux, ça c'est sûr, ça me fera du backup. Donc c'est 25 ml. Donc c'est un traitement réparateur sans rinçage. Et sans rinçage, moi j'adore. Un gain de temps, vous ne pouvez pas savoir. Après. Nous avons un vernis à ongles de essence French Manucure, donc French Perfect. Donc c'est une couleur nude, hein, rose nude. Donc nickel pour moi, hein, puisque j'aime pas quand c'est des couleurs très très voyantes, donc c'est cool. Produit suivant, donc c'est de la marque Matisse Paris que je ne connais pas, enfin que je connais mais que j'ai jamais testé. Donc c'est une réponse préventive, c'est un sérum. 10 ml, donc comme ça me donnera l'occasion de le tester. Super. Puis moi les sérums, j'adore ça. Et le dernier petit produit, et ça franchement trop contente aussi, puisque c'est un crayon pour les yeux, mais d'une teinte marron. Et moi, ben comme je vous ai déjà dit, hein, le noir, c'est pas mon truc. Enfin, ça me va. Je peux pas, ça me fait trop. Enfin, ça. Je sais pas, c'est ça me va pas. Donc marron, gris, nickel. Et puis un petit mot de la part de Laura. Joyeux Noël ma Sylvie, Laura, avec un cœur. Nickel. Donc là, franchement, un grand merci à toi, Laura. N'hésitez pas à aller voir hein, sur sa page, hein, puisque elle fait des vlogmas, et pas que, hein, elle fait des unboxings, elle fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, donc sur sa page, vous abonner, je mettrai le lien en barre d'infos et en incrustation. En tout cas, merci, merci, mille fois merci pour ce super gain. Et puis, bonne fête à tous. Ne quittez pas, parce que j'ai une surprise aussi pour vous. Hein. Une surprise ne va pas, n'est pas jamais toute seule. Je remballe juste ça. Et puis, je vous fais. Alors, aujourd'hui, comme on est le 24, révision de Noël, j'ai voulu vous faire un petit concours surprise. Bon, vraiment un tout petit, hein, puisque demain, il y a le concours du dimanche. C'est juste un truc pour marquer le coup. Donc c'est le. Vous n'avez que deux cadeaux aujourd'hui. Hein, donc ça sera le rouge à lèvres qu'on a eu dans le calendrier Florence Nature aujourd'hui. Et le gloss Put Bomb de Révolution qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Voilà, donc il y a ces deux produits. Donc si vous voulez participer, ben, il y a juste à marquer je participe. Les conditions sont les mêmes que d'habitude. Être abonné, mettre un petit pouce en l'air, donc aimer la vidéo du jour. Et puis activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis le tirage au sort, ben, je le ferai en même temps que celui de demain. Donc ça sera
bah, jusqu'à samedi prochain, minuit pour participer. Comme ça, je donnerai le résultat dimanche prochain en ligne pour ce concours et puis le concours que je mettrai en ligne demain dans le Vlogmas du 25 du dimanche. Voilà, donc sur ce, c'est bien fini cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous. Désolée si la vidéo est un petit peu longue aujourd'hui. Je ne sais pas. Enfin, je verrai. J'ai pas vu. Je verrai au montage. Je vous fais plein de gros bisous. Encore passez de très très belles fêtes en famille ou pas en famille. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être en famille non plus. Moi la première. Et puis, ben. Profitez, profitez, profitez. Et puis j'espère que le Père Noël va vous gâter un max. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de me suivre. Et puis à demain. Bisous, bisous les addicts.